touché toi? Ouais, c'est bien. Tu fais ça où? C'est vrai? Je ne sais pas ce que je vais voir. Pour ah, il faut aller la voir, c'est la plus belle. C'est l'égérie là, du salon qui est là. Au Bali. Je vous vois juste après. On se voit après pour les cloches. Hein. Ah, t'es là toi. Ça va Louis, tu vas bien? Ça va. Ouais, j'ai parlé de toi ce matin. Ça va, ça se passe bien, tu vas bien? Oui, oui. Ouais, toi. Bon, ça va. Tu tournes un café toi maintenant? C'est ouais. Gros ça? Ouais, ouais, mais la tireuse elle est en panne. Il n'y a que ça. La tireuse elle est en panne alors du coup. Ça va? Ouais, super. Bah, je vous vois tout de suite là. Ça va? Bien. Ouais, très bien. Je suis vraiment fier de vous. Vraiment. On s'est vu trois fois déjà. Allez, en avant. Alors, par où est-ce qu'on va? C'est là? T'as acheté plus la famille? Tu sais que j'ai vu ton fils? Eh ben peut-être, oui, il est là, je dois le trouver. J'ai vu ton fils, ça m'a trop péri. Et alors je lui ai dit, mais non, t'es pas le fils. Je lui ai dit, si, mais on est trois. Donc c'est le deuxième. Donc celui que je connais, c'est le numéro 1. Si t'as vu au plus, c'est le numéro 1. Donc là, c'est le numéro 2. Il m'a l'air plus calme que le numéro 1, lui. Ah oui, tu vois. D'abord, nous, ça fait 3 ans hein, qu'on a la vache emblématique, donc on en est hyper fiers. On a eu à la fois l'abondance, on a eu la charolaise, et maintenant, on a cette race de la Salaire. Donc, c'est la reconnaissance de l'extraordinaire qualité de notre élevage de la région et de notre élevage auvergnat. Donc voilà, nous, c'est une immense fierté. Il faut comprendre, derrière un travail comme ça, c'est une passion des éleveurs. Arriver à avoir 2 jumelles, c'est très difficile. Dans la race Salaire, c'est encore plus difficile. Donc, je voudrais juste qu'on porte tous cette fierté. On est au Salon de l'Agriculture. C'est la vitrine de toute l'agriculture du monde entier. Et c'est l'Auvergne qui a l'honneur. Alors, au fond, la première chose d'abord qui les affecte le plus, c'est les critiques et les caricatures qui sont faites de leur métier. Et je pense qu'on doit aussi le dire clairement, on a l'agriculture la plus respectueuse au monde de l'environnement. Et donc, ceux qui posent des problèmes en environnement, ils sont aux États-Unis, ils sont au Brésil, ils sont en Chine. Ce n'est pas nos agriculteurs à nous. Donc, ne laissons pas critiquer notre agriculture, soyons en fiers. Et puis derrière, la deuxième chose, bah, quand on achète, quand on consomme, il faut qu'on arrête d'importer et il faut qu'on défende nos produits à nous et qu'on accepte d'avoir un prix qui permette de rémunérer le travail de nos agriculteurs. Si la grande surface fait rien, si tous les intermédiaires se payent au passage, qu'à l'arrivée, nos agriculteurs n'ont plus rien, bah, des jeunes passionnés comme ça, on n'en aura plus. Et donc, c'est eux qu'on doit défendre. Et pour ça, pas de produits importés. Ne prenez pas de la viande d'ailleurs. Donnez la priorité à la viande auvergnate, à la viande française, à la viande d'Auvergne-Rhône-Alpes. Oui. Donc, vous êtes entouré là par plein d'élus de votre région. C'est la team Wauquiez un peu. Ah, la team Wauquiez, c'est Aurélie. Ouais, c'est allez, en avant. Bonjour. Ah ouais, c'est ça, bien. Je suis en stage de bassin national. C'est bien. Comment ça va? J'étais sur les oracles là ce matin. Très bien, impeccable. Allez, en avant, tu vas bien toi? Il y a quand même un peu de yacht qui traîne. Ça m'a fait rire parce que j'étais en train de remettre la cloche. Immédiatement, il y en a un qui a dit, ici c'est la yacht. J'ai dit, ça va, t'as pas besoin de me dire d'où t'es toi. Juste, je pense qu'il faut tous qu'on ouvre les yeux sur la situation dans laquelle on est. Et que d'ailleurs, souvent les Français ne connaissent pas. Vous achetez du coulis de tomate. C'est fait 100% avec de la tomate chinoise. Je force peut-être un peu le trait, mais pas très loin. Vous consommez des fruits, 70% des fruits qu'on consomme sont des fruits qui sont en réalité importés aujourd'hui. On mange du poulet, ce qui est quand même le symbole de notre pays. Un poulet sur deux est un poulet importé. Et donc, à force d'avoir critiqué notre agriculture, à force d'avoir mis des règles qui tournaient le dos au bon sens, à force de systématiquement avoir handicapé nos propres produits par rapport aux produits étrangers, on se retrouve dans une situation où aujourd'hui notre pays doit importer pour nourrir les Français. C'est dingue. Et si on veut corriger les choses, c'est toute une tendance qu'on doit inverser. D'abord, il faut qu'on soit fiers de notre agriculture. Il faut qu'on répète ce message qui est simple, si vous voulez agir pour l'environnement,
On a l'agriculture la plus respectueuse de l'environnement au monde, donc il faut donner la priorité à notre agriculture. Ensuite, ça veut dire qu'il faut qu'on soutienne l'installation des jeunes agriculteurs. Les propriétaires d'Ovalie, c'est cette nouvelle génération qu'on doit soutenir et qu'on doit installer. Ça veut dire qu'il faut les aider quand ils démarrent, ça veut dire qu'on leur permette d'avoir des bonnes conditions de travail, ça veut dire que le métier d'agriculteur ne peut pas être un métier où on fait des cadences et en plus on est payé au lance-pierre. Et puis la troisième chose, c'est qu'il faut qu'il y ait des prix. Et ça, ça suppose aussi à un moment d'avoir un discours de vérité. Si la grande surface bloque tous les prix, si la grande surface veille à ses marges bien consciencieusement et refuse de revaloriser les prix auxquels elle achète à nos agriculteurs, bah, la réalité, c'est qu'on n'aura plus d'agriculture. Je vais vous prendre un exemple qui est un exemple de chez moi. Je suis du Puy-en-Velay, on fait de la lentille verte du Puy. Nous, sur la production de notre lentille verte, on a plein d'exigences et qu'on respecte. On n'a pas le droit d'utiliser tel produit, il ne faut pas qu'on utilise des herbicides, il ne faut pas qu'on utilise ceci ou cela. On le fait. Dans le même temps, on importe de la lentille du Canada, qui ne respecte aucune des règles que nous, on s'astreint. Est-ce qu'à l'arrivée, l'environnement va mieux? Non. Le consommateur, est-ce qu'il le sait? Non, il n'y a aucune information qui est faite. Il ne sait pas que la lentille du Canada est bourrée de pesticides et d'herbicides. Et donc, on se tire les balles dans le pied. On handicape notre propre agriculture. Et à l'arrivée, la planète va pas mieux. Juste, on tue notre agriculture à nous et nos produits. Et ça, c'est ce que je ne veux plus. Et là où j'en ai un peu assez, c'est que, en gros, le salon de l'agriculture, à chaque fois, tout le monde défile. Il y a des paroles qui sont très gentilles. Et puis, il n'y a rien qui change. Dans notre région, j'ai multiplié par 3 le budget de l'agriculture pour qu'il y ait une cohérence entre ce que je souhaite que soit l'avenir de notre agriculture et les actes. Parce qu'au salon de l'agriculture, c'est trop facile d'avoir des paroles gentilles, on pose devant la vache, etc. Et puis, les réalités sont exactement l'inverse et on n'est pas cohérent. J'essaye de faire en sorte, parce que moi, j'aime ça, c'est un domaine dont je suis passionné, je trouve que les gens qui sont nos agriculteurs sont des gens extraordinaires parce que c'est des gens qui travaillent, qui ont de l'énergie, qui ont de l'enthousiasme, qui défendent des belles productions, qui le font avec du cœur. Et moi, je trouve que c'est une belle image de notre pays. Alors, en tout cas, ce dont je suis convaincu, c'est que ça peut se transposer au niveau national et qu'il n'y a aucune fatalité à ça. Un pays comme l'Allemagne a défendu son agriculture. Un pays comme la Pologne l'a fait progresser de façon incroyable. Nous, soi-disant, on est dans un territoire et dans un pays qui s'est construit par l'agriculture. Et la réalité, c'est qu'on fait depuis des années des politiques qui sont exactement l'inverse et qui, chaque année, affaiblissent un peu plus notre agriculture. Justement, il y a l'agriculture, il ne faut pas l'aimer uniquement au moment du salon de l'agriculture. Justement. D'abord, la première chose, c'est qu'il faut le dire clairement. Vous ne pouvez pas avoir de l'agriculture si les prix de nos agriculteurs ne sont pas payés et s'ils ne sont pas rémunérés. Aujourd'hui, entre ce qu'on achète à un agriculteur et ce que paye le consommateur, il y a plein d'argent qui s'évapore entre les deux et qui ne permettent pas la juste rémunération. Ce travail-là, il n'a pas été mené jusqu'au bout. Et ce que voient les consommateurs, c'est qu'ils payent toujours plus cher les produits. Et ce que voient les agriculteurs, c'est qu'ils n'ont aucune amélioration de leur rémunération. Et donc ce problème-là, il doit être mis sur la table clairement. À un moment, on doit dire stop, ça suffit. On ne peut pas avoir des grandes surfaces qui en réalité font semblant d'être gentilles, font des très très gros bénéfices et les font sur le dos de nos agriculteurs. Ça ne peut pas marcher. Et donc on doit rééquilibrer et faire en sorte que nos agriculteurs soient mieux soutenus. Et je me permets aussi de le dire à ceux qui nous écoutent, regardez ce que vous achetez, regardez d'où ça vient. Et quand vous avez le choix, achetez français, donnez la priorité aux produits qui sont les nôtres. Parce que sinon, on ne pourra pas soutenir cette agriculture que vous aimez. Et tout le paradoxe parfois de la France, c'est que les Français aiment leurs agriculteurs, mais ils ne défendent pas leur agriculture. Ben moi, je le dis, vous aimez vos agriculteurs, défendez votre agriculture, achetez les produits de notre pays. Sérieux, est-ce que ça passe parfaitement du moins de viande? Bah non, bien sûr que non. Pourquoi? Vous avez envie de manger moins de viande? Moi, j'ai pas envie de manger moins de viande. C'est qui? Sandrine Rousseau qui le dit. Ah, Sandrine Rousseau. Bah, le jour où je considérais que Sandrine Rousseau connaît quelque chose à l'agriculture, c'est que vraiment, on sera tombé très très bas. Monsieur Wauquiez, vous êtes très bavard sur l'agriculture, mais il y a des sujets sur lesquels vous êtes beaucoup plus silencieux. Quand on va être le candidat de la famille politique en 2027, est-ce que c'est pas un problème de ne pas oser prendre la parole quand celle-ci vous êtes sur vous? Moi, je vais vous dire quelque chose. Vous êtes au salon de l'agriculture, et je vous connais par cœur, parce qu'à chaque fois, c'est le même sketch. En fait, ce n'est pas l'agriculture qui vous intéresse. Et vous avez tort. Vous feriez mieux de vous intéresser à l'agriculture. Et moi, j'ai une question, vous me posez une question, je vais aussi vous en faire en contrebas. Vous ne pensez pas que des fois, vous feriez bien de vous intéresser au sujet où vous êtes? Parce que là, vous venez en réalité, je sais très bien, ce n'est pas l'agriculture qui vous intéresse, ce n'est pas la salaire qui vous intéresse, ce n'est pas ce qui se fait ici qui vous intéresse. Ce qui vous intéresse, c'est de faire un peu de politique politicale. Et bien, je pense que vous avez tort.
Et je pense que si moi je me laisse entraîner par vous, c'est comme ça qu'on aboutit à une politique qui n'a plus aucun sens, qui est en naufrage total. Donc c'est une question qui intéresse aussi les autres journalistes et pas que nous. Les retraites, mais c'est pour ça que je vous réponds. C'est pour ça que je vous réponds très simplement. Non, vous ne répondez pas du tout à la question. Je vous ai répondu très directement. J'assume totalement ma position. Je suis au Salon de l'agriculture. Je défends l'agriculture. C'est pour ça que je suis là. En revanche, si vous voulez qu'on parle d'autres sujets, j'ai aucun problème. Et je les ai abordés dans d'autres instances. Et sur les retraites, ma position est connue, je l'ai exprimée. Donc je n'ai aucun problème dessus. Mais par contre, au Salon de l'agriculture, c'est vrai que c'est un peu anormal, mais je parle d'agriculture, j'aimerais bien que vous fassiez la même chose. Allez, bon courage. Les retraites agricoles, en avant. La droite a porté quelque chose, une PPL qui est passée sur les retraites agricoles. Est-ce qu'il faut aller plus loin, par exemple, là-dessus ? Honnêtement, il y a un pas fort qui a été fait. Est-ce qu'il est bon ? Non. Est-ce qu'il correspond totalement à ce qu'on veut ? Non. Mais c'est quand même un pas important qui a été fait. Et je trouve que sur les retraites agricoles, objectivement, le travail a été porté par les Républicains, j'en suis fier. Il aboutit à des vraies avancées. C'est un premier pas qui est important. Un peu comme la grande réforme de la retraite, finalement. Bien entendu.